Salut, salut, c'est avec les Beatles que je vous accueille, donc Stéphane, votre humble serviteur, pour vous parler aujourd'hui de la sortie prévue avec mon pote Fred, appelé Caillou, et son fidèle serviteur Mocha. Donc une sortie au départ du village de Pémenade, une descente vers la Siagne qu'on traversera. On passera de côté du Var, du département du Var, et on remontera côté Alpes-Maritimes. Voilà. Donc une sortie à peu près de 17 km avec un des plus prévus entre 800 et 900 mètres. Voilà. Allez, ben c'est parti. Encore 10 minutes de voiture, un peu de Beatles et on y est. Voilà Mocha, le Caillou, c'est déjà fini. Une vidéo de présentation. Ah, c'est Mocha, regarde. C'est Mocha qu'il faut filmer. C'est lui le chef. Donc voilà, on est sur le plateau de Gangeneuve, 1 km. On a fait un temps magnifique, des jambes lourdes. Et toi Fred, les jambes? Bah écoute, ça va. Pour l'instant, ça va. Ça va bien. On va voir si tu passes bien à la télé. Ouais. Donc voilà l'environnement. On teste, on voit, on se trompe de parcours, on revient, mais bon, on y est. Ah, t'as peur hein? Bah écoute, ça a l'air. Parce que si je lui dis qu'on doit remonter ça, il va pas être content le copain. Ah voilà la Siagne. Ah ouais. Oh, c'est magnifique. Ok, c'est beau hein. Ouais. On est à la Siagne. D'un côté les Alpes-Maritimes, ici, et de l'autre côté, le Var. T'as cassé le mythe là. Le berger des Pyrénées. Il est squelettique. Voilà, tu crois qu'il est bien nourri mais en fait. Non. Voilà, le berger des Pyrénées au réveil le matin. C'est comme le lendemain de fête, tu te réveilles à côté de quelqu'un et tu te dis ah merde, c'est pas ce que j'avais cru. Mais non, mon cœur.
Voilà, donc en sous-bois, c'est magnifique. Et là, les manches longues, c'est pas du luxe. Wow. C'est pas un pilier du pont, ça? Ah oui. Ah ouais. Oui, oui. Ouais, regarde. D'accord. Hein, donc là, on se trouve sous le pont, sous l'ancien pont Eiffel, le pont de chemin de fer de la ligne Draguignan-Vence, chemin de fer de Provence. Donc on est à l'intérieur des fondations d'un pilier. Wow. Voilà. Donc vous avez compris que il faut remonter. On va aller tout à l'heure sur au départ du pont en fait. On est à 6 km début de la première difficulté. Elle est là. Rendez-vous au niveau du pont. Je crois qu'on va apercevoir là le pont. On va monter plus haut et redescendre pour arriver ici. Voilà, je suis super content parce que ça faisait 25 ans que je voulais venir ici. Voilà, donc merci Fred. Allez. Donc l'ancien pont de chemin de fer construit par Eiffel pour les chemins de fer de Provence, voilà, qui allait de Draguignan à Vence, en passant par Grasse. Bon, c'est pas tout, mais nous, on a encore du taf. Donc, je remets la montre, voilà, et c'est parti. On y va. Allez, go! Au pont, la sienne et le retour. Voilà. Allez, va te baigner. Viens, Moka. Oh. Le sable. Il est pas bien, lui. Voilà. Donc, on a fait la boucle. Et là, on va passer côté Var. On va chez les ennemis de la nation. Non, je déconne. On va être bien là. Alors? Bah alors, il y a la plage. Franchement, tu t'éclates, hein. Tu montais là, tout ça. Dans l'été, ça doit être blindé de monde. Qu'est-ce qu'il a, le coach? Il faut y aller. Allez. Allez, allez. On y va. On attaque la deuxième grosse difficulté. Allez, là on est chez les ennemis. Hein. On est dans le Var là. Là c'est chaud. Alors là, on va où? La chapelle. La route. On monte à la route. Bah, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Voilà. Donc on quitte la Siagne pour la reprendre tout à l'heure. Alors, les jambes? Hein, ça va. Pour l'instant, si on y va tranquille, ça va. Allez, ben voilà, il nous reste à peu près 7 km, je crois. Je crois. Lequel, lui, ça. Ça monte au rempart. Ah oui, d'accord, ouais. C'est encore les remparts du pont. Et là, c'est... Attends.
Je t'explique. On coupera au montage. Non, mais explique à tout le monde. Non, mais parce que là t'as une sorte de nid là, t'as les vestiges. D'accord. Tu captes l'eau et il faut rentrer là-dedans là. Et c'est super intéressant à visiter. Ok. Ben voilà, je ne savais pas. En plus, ils sont en train de tout rénover, regarde. Ouais. La toiture et tout, c'est magnifique. Il y a une sorte de moulin là, et ils captent l'eau de la rivière. Et... Ok. Bon, le coach, il s'en fout de l'histoire, lui. Hein. Lui, ouais. Il veut courir. Hein. Bon, comme le coach, il veut courir, bon, ben on court. Allez. Il a construit une cabane, on va pas voter pour lui. Faut lancer les gars. C'est vrai. Il y a du sable. Hey Moka. Le problème de Koh Lanta, c'est que dans 10 jours, tu bouffes Moka. Ah. Donc regarde, le Bianson qui arrive, là, et qui se jette dans la Siani, là. Hein? Ah génial, bah, tu vois, encore une fois, je voulais y aller, j'ai... Ah... Content. Bon, on arrête de faire les touristes quoi. Donc là, on va monter. On y va? Ouais. Donc là, on est dans la deuxième grosse montée de la sortie. Donc voilà, là on est côté Var et on va remonter là-haut, tout droit en face. On est à 12 km, mais avant, je pense qu'on va aller sur la crête. Donc c'est l'aventure là, on connaît pas du tout. On est toujours sur le bon parcours. Donc là, on est commune de Tanneron, dans le Var. On est à 13 km. Alors là, j'explique le topo. Donc j'ai tracé un chemin sur la carte, mais sur la carte, la trace s'arrêtait, il n'y avait plus de chemin. Donc je me suis dit, ben, normalement, ça doit passer. Donc là, on va arriver à l'endroit où ben, on ne sait pas trop si ça passe et si on arrivera à retrouver la Siani en bas. Bon, donc c'est l'aventure va commencer là, en fait. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un single, mais... Je crois qu'on n'est pas bon. Ouais, je crois que c'était le single qu'il fallait prendre. Allez, on va remonter. Ouais. Voilà, quand on dit c'est l'aventure, c'est l'aventure. Bon, après y avoir fait demi-tour, voilà. Ben, on teste, hein. C'est aussi ça
le trail, les trucs non tracés, c'est que ben, à un moment donné, on sort le téléphone, on prend la carte, on regarde où on est, on essaye de voir en visu et puis on calme. Donc là, on suit la piste et après on va tomber. Et le but, c'est de retrouver le pont en fer de Sian. Tu vois, on aurait dû arriver de là. Ouais. Quand on a fait demi-tour. Donc en fait, c'est plus connexe. Et là, à droite ou à gauche? Ouais. Donc là, ben, si on, c'est on, là. On prend la direction du truc, c'est et ben c'est là, allez. Voilà. La technologie entre les téléphones, Google Maps, le parcours, les montres. Si on se perd, on n'est pas bon. Après, il y a toujours la solution de demi-tour. Mais non, celle-là, on ne la prendra pas. Les effets spéciaux, les malades. L'aventure commence. Les traces sur la carte s'arrêtaient ici. Voilà, effectivement. Et moi, j'ai dit, ça doit passer. Est-ce que ça passe? Regarde, regarde ce qu'on a là. Hé, hey. Regarde ce qu'on a. Pour l'instant, Bibi, il a raison. J'aurais pas fait demi-tour. Voilà, voilà. Demi-tour, c'est pas possible. Voilà, pour l'instant, Bibi, il a raison. Bon, ça a l'air un peu dégueulasse. Ouais, bon, bref. Ouais, ça va, regarde, ça va passer. Allez, aventure, aventure. Qui a raison? Moi, je pense que ça passe. Par contre, c'est pas très propre. Voilà. Allez, on va caler et on y va. Ça passait, regarde, fais gaffe, ça glisse. Regarde, voilà, hop, résultat. Ah, résultat, je suis blessé. Attends, on a un pote qui va faire Koh-Lanta, on est obligé de se mettre à sa hauteur. Ouais, c'est. Allez, il doit rester 100 mètres, 200 mètres. Hein. Tout n'est jamais écrit, tout n'est jamais propre, il faut sortir de sa zone. C'est bon, on a récupéré le chemin là. Fred, on est passé. Yes. Tolérance. Tout droit, tout droit. Il est en galère. Il est en galère. Eh, hey, on fait pas un marathon là. C'est pas du bitume. Ouf. Ça va? Allez. C'est génial, putain. C'est génial, merci Stéphane. Ouais. Ouais, c'est pire que Koh-Lanta, on est rien. Attention, Rose. Ouais, j'ai vu. Attention, là, voilà. Eh, ouais, bravo. On l'a fait, mec. J'ai dit que ça poussait. Oh, j'ai régné la carrosserie, là. Voilà. Allez, retour, Siani.
tunnel qui vient du lac de Saint-Cassien, ça. Voilà, ça c'est une prise d'eau qui vient du lac de Saint-Cassien et qui alimente la Sienne. Voilà, c'est bon, on n'est pas perdu. Voilà. J'ai mis, Donc ça, c'est, ça traverse toute la colline, ça vient directement du lac. Une conduite tunnel. Ouais, la Sienne. Donc là, le pont en fer, hein. On repasse du côté du 06 à la Sienne. Avec les, on rejoint les plagistes. Donc je savais que ça passait, hein. Voilà. Faut y aller. Ah, il nous reste une difficulté, 2 km de montée et c'est la fin. On est en bas. Allez. Et toi, si je te jette un caillou, tu vas pas? Non. Bien sûr, il va se secouer. Allez, c'est pas tout, mais on doit y aller. Allez! On arrive au terme de cette sortie. J'ai repris le téléphone parce que j'ai plus de batterie dans la GoPro. Comme ce dernier kilomètre, ben je vais pas remettre une batterie. Voilà, on arrive pile poil à 18 km. Le coach toujours présent. Et Fred. Alors, le parcours, eh bien, malgré le... Non, c'est sympa. Hein? C'est sympa. Ouais, carrément. Voilà. Bon, ben, pile poil, 18 km. Allez, ben, on va marcher tranquille jusqu'à la voiture, il y a 500 mètres. Histoire de relâcher un peu. Et voilà, et comme d'habitude, après le débrief, à chaud. Donc, merci Fred de m'avoir fait découvrir une partie de chez toi. Et encore une partie, une infime partie. Il y en a encore plein. Voilà. Moka. Moka, lui, lui, le coach, il est partant. Allez, le débrief, arriver sur la voiture et terminé. Que t'es grand, petit d'homme, courir, c'est comme une religion. Le traditionnel débriefing à chaud, une fois n'est pas coutume, en voiture. Voilà, donc pour conclure cette sortie, Péménade, Saint-Cassien des Bois, La Siagne, le pont cassé. Ben, déjà, c'est sympa de courir avec Fred et le coach Moka. Vous avez vu, hein. Il ne laisse rien passer. Donc, parcours assez varié. 18 km, 793 mètres d'ascension pour un temps de 2h41. Voilà. Une météo, un temps gris, mais assez clémente. Donc, pas de température extrême. Donc, ça, c'est assez sympathique. Donc parcours assez vallonné, on voit de divers paysages, hein. On descend jusqu'en Siagne en bas, on change de département, on passe les ponts de Siagne, voilà. Encore une fois, merci de m'avoir suivi, merci de faire vivre ma chaîne RTT Nature Passion, Running Trekking Trail Nature Passion. Et pour pas paraître pour un vieux jeu auprès de mon fils, je vous encourage à non pas mettre des j'aime sur ma page, mais des likes, voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, à plus, salut.
Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions. Que t'es grand, petit d'homme. Courir, c'est comme une religion. Tu t'affoles, tu t'affoles. Comme une religion, petit d'homme. Sérieux, tu déconnes. Pour toi c'est presque une religion. En tout cas, c'est tout comme nous.